la plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés le verre les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire suivez-moi, je vous conduis. Demeurez ainsi comme dans le Seigneur, le bien-aimé, Philippe 4.
Merci, merci Seigneur. Car Dieu était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même. En imputant point aux œuvres leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 19 à 21. Merci Seigneur. Je suis sortie nue du sein de ma mère, et nue je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Merci Seigneur. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Merci Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des prières et des grâces. Philippiens 4, verset 6. Merci Seigneur. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. 1 Timothée 1, verset 12-13. Merci Seigneur. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Vous avez quoi, les amis ? Jésus, le Fils d'un Dieu, passe par là, il peut nous sauver. C'est une grande dernière chance. Oui. Ah, c'est notre dernière chance, hein ? Et il n'y a pas le temps de manger un loco ici. Le sacrificateur sans te remercier. Il n'y a plus cet étranger-là pour revenir donner gloire à Dieu. Lève-toi, mon fils, ta foi t'a sauvé. Amen. Car la Bible dit dans Osée 8, verset 14, Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leur ville et il en dévorera les palais. Frères et sœurs, en toute humilité, soyons reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour nous. Car le manque de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur
Les rares sont celles qui lui disent merci pour ce qu'il a déjà fait. Combien de fois nous avons été l'objet de ses grâces, de ses bénédictions, de son secours, dans son réconfort, dans les situations même difficiles, de ce même à notre issue. Ayons également du respect et de la gratitude pour les personnes qui nous ont donné la vie et pour toutes celles qui participent à la rendre meilleure. Alors, nous vivrons dans la grâce abondante de notre Seigneur. Amen.